Les archives d'Afrique, Alain Focat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô toi dame, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. C'était les années de lutte pour l'indépendance. Celle où les auteurs et intellectuels noirs écrivaient quasiment tous pour dénoncer l'oppression du colonisateur, pour réclamer leur autonomie ou pour attirer l'attention du monde sur le sort qui leur était réservé à eux et à leur peuple. C'était les années de militantisme où toutes les parutions, tous les romans, tous les essais étaient consacrés à un seul sujet, la condition du noir. Pourtant, lui qui vivait à Paris, qui baignait dans le monde des Africains de France, allait choisir d'écrire sur son pays, sur sa région natale qui lui manquait, sur le mystique et le religieux. Bref, sur la nostalgie de son village de Haute-Guinée. L'enfant noir allait pourtant le faire entrer de plein pied dans le monde très fermé des grands auteurs africains, malgré la vive critique de ses pairs. Camara Lai est certainement l'un des auteurs les plus lus du continent. L'un des intellectuels qui aura marqué avec les Birago Diop, les Mongo Betty, les Léopold Sédar Senghor et autres Sembène Ousmane, plusieurs générations de subsahariens. Pour les dirigeants de l'époque, leur pensée devait absolument influencer tous les enfants du continent. ...1953. Un jeune romancier africain reçoit en France le prix international du roman français. Ce jeune lauréat est guinéen et ce roman, qui est d'ailleurs son premier, est intitulé « L'enfant noir ». Je considérais le petit serpent avec ébahissement. Il poursuivait sa route vers l'atelier. Il avançait gracieusement, très sûr de lui, eût-on dit, et comme conscient de son immunité. Son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière crue. Quand il fut parvenu à l'atelier, j'avisai pour la première fois qu'il y avait là, ménagé au ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou. « Tu vois, le serpent va faire visite à ton père, » dit encore ma mère. Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurais muet, tant mon étonnement était grand. Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père? Et pourquoi ce serpent-là, précisément? On ne le tuait pas parce qu'il était le génie de mon père. Du moins, était-ce la raison que ma mère donnait. Mais au juste, qu'était-ce qu'un génie? J'étais dans une absolue perplexité. Pourtant, je ne demandais rien à ma mère. Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père. Oui, comme si ce mystère eût été une affaire à débattre entre hommes uniquement, une affaire et un mystère qui ne regarde pas les femmes. Et je décidai d'attendre la nuit. Sitôt après le repas du soir, quand les palabres terminées, mon père eut pris congé de ses amis et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme font les enfants, et sur tous les sujets qui s'offraient à mon esprit. Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs, mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m'occupait. Cherchant l'instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur, depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier.
Et tout à coup, n'y tenant plus, je dis : Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite ? De quel serpent parles-tu ? Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. Ah, fit-il. Il me regarda un long moment. Il paraissait hésiter à me répondre. Sans doute pensait-il à mon âge, sans doute se demandait-il s'il n'était pas un peu tôt pour confier ce secret à un enfant de 12 ans. Puis, subitement, il se décida. « Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. Comprends-tu ?»« Oui, dis-je, bien que je ne comprisse pas très bien. »« Ce serpent, poursuivit-il, est toujours présent. Toujours il apparaît à l'un de nous. Dans notre génération, c'est à moi qu'il s'est présenté. » Mon père se tut encore un moment, puis il dit « Tu vois bien toi-même que je ne suis pas plus capable qu'un autre, que je n'ai rien de plus que les autres, et même que j'ai moins que les autres, puisque je donne tout, puisque je donnerai jusqu'à ma dernière chemise. Pourtant, je suis plus connu que les autres, et mon nom est dans toutes les bouches, et c'est moi qui règne sur tous les forgerons des 50 ans du cercle. S'il en est ainsi, c'est par la grâce seule de ce serpent, génie de notre race. » Alors que les critiques européens accueillent en sens ce roman qui décrit avec beaucoup de pittoresque la société traditionnelle africaine telle que les Occidentaux souhaitent la connaître et la décrivent souvent à cette période, avec ses couleurs et ses croyances, avec son pittoresque et son côté sauvage, avec la puérilité et l'ignorance de ses populations, à la surprise du plus grand nombre, tous les étudiants et les auteurs africains, les plus importants, que l'on attendait de voir applaudir le jeune camarade, vont plutôt le prendre à partie. On lui reproche de ne pas prendre position contre la colonisation. La plume la plus acerbe est celle de l'écrivain camerounais Mongo Betty. À l'apparition du livre en 1953, je fus attaqué par quelques étudiants africains. Or, l'enfant noir n'est rien d'autre. Évidemment que la vie d'un enfant noir, que j'avais intitulé d'ailleurs « Enfant de Haute-Guinée », mais que Plon a appelé « l'enfant noir », à mon avis, ce n'était pas l'enfant noir, c'était l'enfant de Haute-Guinée, donc dont la vie est un peu plus différente, plus africainement différente, par exemple, de la vie d'un autre Africain, puisque j'ai vécu très Africain en Haute-Guinée. Quoi qu'il en soit, si la critique européenne applaudit le roman de Camara Lai, c'est toute la classe intellectuelle africaine qui lui reproche son désengagement pour la cause principale de l'époque, la décolonisation. Pour eux, son livre contribue à entretenir l'idée profane et primitive qu'affectionne le colon. Et ceux qui ne le connaissent pas de s'interroger sur celui-là qui brise ainsi l'unité de pensée de la classe intellectuelle noire de ces décennies 50 et 60. Camara Lai est né le 1er janvier 1928 à Kouroussa, en Haute-Guinée, sur les bords du Djoliba, le fleuve Niger. Ce gros village des cases rondes à toit de chaume dont il parle est le berceau de sa famille depuis plusieurs générations. D'ailleurs, il se plaisait à rappeler que son aïeul Tabon Wanafran Camara fut un contemporain du fameux Sundiata Keita, le roi du Mandé. D'ailleurs, la province natale de Camara Lai s'enorgueillit d'une longue résistance à la conquête française, puisqu'elle a été le théâtre de durs combats qui ont opposé autrefois les guerriers de Samori Touré aux spahis du colonel Archinard. Cette province n'a été rattachée à la Guinée qu'après le démantèlement du Soudan en 1899. Quand j'étais enfant, j'ai habité un village en Haute-Guinée qui s'appelle Kouroussa. Kouroussa est à 700 km de la côte. C'est un village où les gens sont paysans tous presque. Le matin, ils vont au champ. Et pendant l'hivernage, qui dure 6 mois, il n'y a que la culture. La saison sèche aussi dure 6 mois. Les gens se baignent, vont au fleuve et font la chasse, la pêche. C'était un village vraiment comme avant, un village où les gens étaient paysans. Les gens étaient en majorité paysans, mais son père, lui, était forgeron. Un métier qui va profondément marquer le jeune Camara Lai, qui a pour son père beaucoup de fascination et d'admiration. Évidemment, dans l'ancien temps, le forgeron avait été vraisemblablement le premier artisan spécialisé. Les connaissances qu'il y fallait
pour transformer le fer en instrument aratoire contraignait nécessairement à la spécialisation. Ainsi, j'ai vu mon père sculpter les totems. Je dirais que son totem est connu de nous, son totem qui est le serpent. C'est notre aïeul qui avait ce totem qui donne la puissance à l'homme et l'intelligence. Je n'ai pas su comment mon aïeul a commandé ce territoire qu'on appelait avant Tabon. Tabon est où actuellement? Tabon est actuellement le Fouta Jalon. C'est ce Fouta Jalon qui, quand il était habité par les Yalonkés, s'appelait Tabon. Les Peuls sont venus envahir ce royaume parce que, comme vous savez, les royaumes s'affaiblissent et meurent, comme les civilisations. Alors donc, il s'appelait Tabon Wana Frankamara, c'est-à-dire Frankamara, le redoutable Tabon, parce qu'il avait une puissance, il avait un génie qui l'aidait à commander les gens, qui l'aidait à faire la guerre. Et mon père aussi, je l'ai connu, est très habile, et j'ai pensé, et tout le monde sait qu'il prenait sa puissance à côté de ce serpent qui était toujours levé dans la peau à côté de son enclume. Quand il était gêné, il caressait le serpent. Et quand il ne comprenait pas une affaire, il dormait et dialoguait avec le serpent qui lui disait comment il devait faire son travail. Ça paraît extraordinaire, mais je n'ai relaté que ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu. On ne peut pas recuser le témoignage de ses yeux. On ne peut pas. Partagé entre Kouroussa, où son père exerce donc son métier de forgeron, et Tendika, le village natal de sa mère, l'enfance de Kamara Lai va être fortement influencée par le mode de vie patriarcal de la communauté malinké, dont il rappelle les travaux champêtres, mais également les rituels. Comme beaucoup d'enfants de cette région et de cette période-là, il va d'abord aller à l'école coranique. Puis, par la force de la colonisation de plus en plus insistante, il va rejoindre l'école occidentale. Après l'examen d'entrée en sixième, il est pensionnaire au collège technique de Conakry. Bénéficiant d'une bourse de perfectionnement, il doit lutter contre sa famille hostile à un départ en France. Il entre à l'école spéciale d'automobile d'Argenteuil, puis à l'école technique d'aéronautique et de construction automobile du boulevard Saint-Germain à Paris. Sa formation terminée, il s'inscrit au Conservatoire national des arts et métiers. Mais seul et sans appui, il se voit contraint de travailler pour assurer sa subsistance. Commence alors une période difficile, marquée par la solitude et les privations. Avec le froid de l'hiver parisien, il abandonne alors ses études et travaille aux usines Simca, en qualité d'ouvrier spécialisé. Ensuite, à la régie des transports parisiens et à la compagnie des compteurs de Montrouge. Le découragement le guette et il trouve un dérivatif en écrivant ses souvenirs. C'est l'origine de L'Enfant Noir, son premier roman, Kamara Lai. C'est par nostalgie que je l'ai écrit. Et j'étais à Paris, on m'avait envoyé pour faire des études au centre école d'Argenteuil. Et après le centre école d'Argenteuil, j'ai décidé de poursuivre mes études par mes propres moyens. Je me suis inscrit à l'école technique d'aéronautique et de construction automobile au boulevard Saint-Germain. Donc j'ai fait une année de spéciale mathématiques élémentaires et j'étais maintenant en première année d'ingénieur. Mais les moyens étaient tels que je ne pouvais pas continuer, il fallait que je travaille et que j'étudie. Parce que le pays, la colonie de la Guinée française, qui devait m'aider, a dit qu'il n'avait pas besoin d'ingénieur, il avait besoin d'un spécialiste d'automobile. Donc l'ingénieur ne l'intéressait pas. Et moi, je ne voulais pas faire ce travail qui, à mon avis, me paraissait élémentaire. Ce n'était pas la peine de quitter l'Afrique, à mon avis, pour venir apprendre la mécanique automobile à Paris. J'ai voulu donc connaître la résistance des matériaux, le calcul des intégrales et des calculs vectoriels qu'on avait commencé. Mais évidemment, j'ai dû cesser pour travailler au HAL comme manœuvre et pour travailler de temps en temps chez Simca pour avoir alors un peu d'argent et pour continuer en même temps les études. Alors c'est ainsi que pour tuer le temps, pour recréer l'atmosphère de l'Afrique qui me manquait parce que je souffrais, il faut le reconnaître à l'époque, beaucoup. Puis j'étais diminué par rapport à mes camarades qui, je pensais, n'étaient pas plus intelligents que moi et qui étudiaient. Il me fallait m'accrocher à quelque chose. Donc j'ai écrit, non pas pour publier ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour moi-même. Évidemment, à ce moment-là, c'était un invraisemblable tas de feuillets, ce n'était pas un livre. Mais un jour, quand j'ai parlé de ces souvenirs à un ami français, lecteur de chez Plon, il m'a dit, mais écrivez vos souvenirs. Alors j'ai su que le travail, évidemment, était difficile. Il m'a recommandé de lire Flaubert, Gustave Flaubert, L'éducation sentimentale. J'ai senti chez Flaubert un style simple, un style qui me plaisait, un sujet, un verbe et un complément. Et il m'a dit aussi comment il passait d'un temps à l'autre. Il faut bien regarder comment il emploie le temps.
Et évidemment, je n'ai pas écrit comme Flaubert, mais j'ai tenté de faire comme lui. Quand le chapitre fut rédigé, ils m'ont dit de continuer. Et j'ai continué. Évidemment, je l'écrivais une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à sept fois, jusqu'à ce que ça m'a paru clair. Alors, à ce moment, j'ai donné. Comme tous mes travaux, je ne suis pas pressé. Je veux que ça soit simple et clair, qu'un enfant de 12 ans puisse être à ma portée, que je puisse être à ta portée. Je n'aime pas les phrases compliquées. Mais quand, évidemment, un homme qui était littéraire a lu ce style un peu simple et un peu extraordinaire, puisqu'il est simple, c'est pas un style tout à fait littéraire. C'est un style de quelqu'un qui commence. Il a dit, ben, c'est une histoire que vous racontez, sont plaisantes. Alors donc, c'est ainsi qu'est né l'enfant noir. C'est parce que j'avais la nostalgie de mon pays, quand je pensais à l'Afrique, quand j'écrivais certains passages de mon enfance, j'étais tellement ému que, évidemment, je versais des larmes. Il fallait que je m'arrête, parce qu'au lieu d'être dans une chambre froide, vous savez, les chambres d'hôtel ont toujours de ces lampes qui abandonnent la lumière comme un regret. Je sentais par moment que j'avais la chaleur, que le soleil d'Afrique était dans la chambre. Nous avons atteint une aire circulaire parfaitement désherbée. Tout autour, les herbes montaient très haut, plus haut que tête d'homme. L'endroit était le plus retiré qu'on pût souhaiter. On nous a alignés, chacun devant une pierre. À l'autre bout de l'aire, les hommes nous faisaient face. Et nous nous sommes dévêtus. J'avais peur, affreusement peur, mais je portais toute mon attention à n'en rien témoigner. Tous ces hommes devant nous, qui nous observaient, ne devaient pas s'apercevoir de ma peur. Mes compagnons ne se montraient pas moins braves, et il était indispensable qu'il en fût ainsi. Parmi ces hommes qui nous faisaient face, se trouvait peut-être notre beau-père futur, un parent futur. Ce n'était pas l'heure de perdre la face. Soudain, l'opérateur est apparu. La veille, nous l'avions entrevu lorsqu'il avait fait sa danse sur la grande place. Cette fois encore, je ne ferai que l'entrevoir. Je m'étais à peine aperçu de sa présence qu'il s'est trouvé devant moi. Ai-je eu peur? Je veux dire, ai-je eu plus particulièrement peur? Ai-je eu à ce moment un surcroît de peur, puisque la peur me talonnait depuis que j'étais parvenu sur l'air? Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai senti comme une brûlure et j'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Je ne crois pas que j'ai crié, non. Je ne dois pas avoir crié. Je n'ai sûrement pas eu le temps non plus de crier. Quand j'ai rouvert les yeux, l'opérateur était penché sur mon voisin. En quelques secondes, la douzaine d'enfants que nous étions cette année-là sont devenus des hommes. L'opérateur m'a fait passer d'un état à l'autre à une rapidité que je ne puis exprimer. Sitôt l'opération faite, les fusils sont partis. Nos mères, nos parents dans leur concession, ont perçu les détonations. Et tandis qu'on nous fait asseoir sur la pierre devant laquelle nous nous tenions, des messagers s'élancent, se ruent à travers la brousse pour aller annoncer l'heureuse nouvelle. Ils ont couru d'une traite, le front, la poitrine, les bras inondés de sueur, et parvenus à la concession, à peine peuvent-ils reprendre souffle, à peine peuvent-ils délivrer leur message devant la famille accourue. « Vraiment, votre fils a été très brave », crie-t-il enfin à la mère du circoncis. Extrait de L'Enfant Noir. Kamara Lai évoque le rituel de la circoncision. Avec ce roman, nous pénétrons la civilisation malinké, ses traditions et ses usages, en prenant la chronique simple d'une vie. Dans ce premier roman, Kamara Lai donne la première mesure de ses dons d'écrivain et de conteur. C'est un hymne au monde noir traditionnel pour lequel il se sentait fait. Loin de tout intellectualisme, il avait décidé dans un roman de garder toutes ses croyances et valeurs. Un choix qui va faire l'objet de vives critiques, comme nous allons l'entendre dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous revisiterons également la vie trépidante de cet écrivain que le monde entier découvre en cette première moitié de la décennie 50. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.